tu nous as donné la vie éternelle et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu nous as donné la vie éternelle et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Bien-aimé, ce sont des paroles de vie. Quand il a dit la parole de Dieu, que Dieu a répondu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, bien-aimé, et tu le serviras du ciel. Alléluia. Et voici une troisième promesse de la parole du Seigneur qui est suivie de promesses. Tu. Amen. Tu aideras ton père depuis que tu te à ton père et à ta mère. Tu aideras ton père et ta mère. Donc c'est eux par eux que tu es né. Et c'est celui d'une promesse où Dieu te dit tu vas prolonger tes jours. Alléluia. Tu vas honorer ton père, tu vas honorer ta mère. Car c'est par eux que tu es venu dans le monde. C'est par leur canal. Et donc si tu les honores, bien aimé, à leur obéissance, et c'est avec ça pour les jeunes frères et les jeunes sœurs. C'est celui de cette promesse. Dieu dit qu'il va augmenter, bien aimé, ton temps à tuer sa paix. Amen. Et c'est la promesse de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et nous devons encore davantage sans cesse la laisser pénétrer en nous, jusqu'au plus profond de nous. Alléluia. Bien aimé, on voit ce message. D'abord, quand il est donné, mais encore davantage, Dieu m'a permis d'encore avoir des éléments. L'eau encore nous permet d'être nourris spirituellement. Alors on prend la Bible, on prend la Genèse. On vient de la Bible, moi. Genèse chapitre 3, verset 5. Moi, livre 24. Genèse chapitre 3, verset 5. Genèse chapitre 3, verset 1, oui. Verset 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et alors, écoutez la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu
au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière pour les jours de ta vie. Je vais bénéficier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des lèvres des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Quel est le prix encore? On va faire. Seigneur notre Dieu, notre Père, sois béni. Parce que au Dieu d'Abraham, qui est l'auteur de ta grande parole. Et nous sommes ici assemblés par ta grâce au fil de cette parole. Afin que notre Dieu, comme tu as pu faire, tu as pu donner à notre Dieu ta convenable. Pour nos âmes, que notre Dieu, tu bénisses ton peuple, que tu encore davantage, et reçois ta part, la nourriture au Dieu spirituel convenable. Ô Seigneur, sans certain que je suis rien. J'ai plein de défauts, je dépuise, je me pardonne toute iniquité et tout défaut. Que ma conscience, et sois plus de tout péché et de toute aussi, Seigneur, viens, quand tu apportes ta parole à des gens, tu vois que c'est là que tu envoies. Père, tu as dit qu'il tire les paroles de Christ. Donne-moi de dire tes paroles, comme Michel, fils de Judas. En faisant le Dieu au Père, ta parole comme une semence, puisse ta semence c'est dans les cœurs purs, les cœurs fertiles, et que soit plus produit au Père, l'effet escompté par toi. Bénis le cœur de ton Dieu, bénis l'entraînement de ton Dieu, et bénis ton serviteur. On dit toujours pas que l'Esprit a fait. Nous attendons à toi pour toutes choses, car c'est le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Merci Seigneur. Bien les frères, que Dieu bénisse, parce que le Seigneur, il est fidèle et il est bon, et c'est lui notre Dieu, sur qui nous comptons et en qui nous croyons. Alors aujourd'hui, on voit cette prédication, à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon.
Je mettrai inimitié. Alléluia. Bien-aimé, inimitié, c'est pas dit amitié, c'est le contraire de l'amitié. Je mettrai la guerre entre vous. Je mettrai l'incompréhension entre vous. Et ça a été depuis longtemps aujourd'hui. Alléluia. Inimitié entre les deux sémences. Bien-aimé, nous sommes la sémence de Dieu. Alléluia. Et depuis la chute de l'homme, parce que avant même que l'homme ne puisse chuter, Adam était, bien aimé, avant que Ève puisse sortir sa corde, Adam était créé parfait. Quand Dieu fait une chose, c'est parfait, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas d'avoir péché. Bien aimé. Et dans la création, avant que Dieu ne crée Adam, comme je l'ai dit, et comme aussi le prophète l'a dit, la plus petite création, la créature de Dieu a créé, c'est du tétard. C'est du tétard qui vient de lui au fur et à mesure qu'on atteint l'homme. Amen. Mais entre les animaux et l'homme, il y a un changement maintenant. Le changement maintenant, c'est le serpent ancien. Autrefois, il était costaud, gaillard, comme Goliath, bien aimé. Il était costaud. Adam était fils de Dieu, bien aimé. C'est-à-dire qu'il ne serait pas Goliath. Adam était fils de Dieu, bien aimé. Et nous voyons que, au fur et à mesure que Dieu crée, il prend une nouvelle série pour créer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même série de soi. De telle manière que, la grenouille a été une grenouille aujourd'hui. Le chien a été tout chien aujourd'hui. Vous savez, le chimpanzé ou bien la gorille a été plus gorille aujourd'hui. Le lion a plus gorille du lion aujourd'hui. Amen. Dieu a chaque fois mené un sens supérieur. Tu vas dire atteint l'homme. Et comme les savants modernes ont dit, ils ont raté tout. Amen. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. La connaissance n'a pas été accordée. Pour qu'ils sachent comment est-ce que Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Alors, il y a eu cet événement-là, le diable, qui a fait perdre de la vertu à Ève. Alléluia. Quand Dieu a posé la question à Ève, elle a dit, le diable m'a séduit. Le diable lui a fait perdre sa virginité. Bien aimé. Le diable a mené à pécher. Et de ce péché, il a dit une seule petite parole entraînée toute l'humanité dans la mort. Amen. Et aujourd'hui, on meurt. Alléluia. C'est un fait. C'est le Seigneur de la miséricorde et de sa grâce a pourvu à cela. Vous savez que Dieu est esprit, bien aimé, mais que dans les sens originaire même du Seigneur, de Dieu, il est esprit. Et voilà pourquoi le blasphème contre le Saint Esprit, il n'y a pas de parole. Le blasphème contre l'Esprit de l'homme, contre un prophète, il n'y a pas de problème. Mais le blasphème contre le Saint Esprit, la Bible déclare qu'on ne veut pas pardonner cela. Dieu ne veut pas pardonner cela. Il n'y a pas de pardon, ni pour le siècle, ni pour le siècle à venir. C'est écrit. Alléluia! Donc aujourd'hui, par le cas de la femme, le péché s'est répercuté sur tout être humain qui naît. Un bébé naît, il était un temps dans le ventre, Paul dit, il était dans le ventre, mais le péché, il dit péché. Alléluia! Et vraiment, bien aimé, c'est une grâce pour nous de savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, nous a arrachés par son sang. Et qu'il a fait son sang pour beaucoup. Pourquoi la Bible dit beaucoup? Pourquoi la Bible dit beaucoup et pourquoi la Bible dit que la femme ne peut pas enseigner? Tout cela part de la Genèse. Parce qu'elle n'était pas, elle a deux semences. Deux semences bien aimées. Que l'on prend dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, à quoi il est resté? Verset 24, tu vois bien? Je mettrai inimitié entre ta postérité et ta postérité. On vient de le mettre. Matthieu chapitre 13. Oui, frère. Bonne 24. Matthieu chapitre 13, à partir de 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'éma délivré parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, livré parmi aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc le filet des hivers? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Amen. D'où vient qu'il est de l'hiver? D'où vient qu'il est de la mauvaise herbe dans le champ? Et le Seigneur, c'est un ennemi qui a fait cela. Lui, il va continuer. C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur d'en arracher l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassé de blé dans mon grenier. Amen. On va continuer à verset 36, bien aimé. Verset 36, oui. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livres du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Amen. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Seigneur lui-même, le créateur des cieux de la terre, qui a créé son monde et qui a semé la bonne semence. Oui, bien aimé. Le champ, c'est le monde. Oui, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Bien aimé, l'explication a été pleinement donnée. Dès le début, avec Ève, qui est la mère de tous les vivants. Bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit aux serpents? Bien aimé. Tu seras maudit parmi tous les animaux des champs. Pourquoi? Parce que le diable a le serpent pour séduire la femme et introduit sa semence dans la femme. Venez! Et ces deux semences sont nées, Caïn et Abel. Amen. Mais Caïn, dans le champ, il allait, il a tué son père. Et pourquoi le tuer a-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il a tué son frère, vivement comme ça. Sans remords. Mais Caïn, où est ton frère Abel? Et il a répondu. Tu es gardien de mon frère. Donc, mon cas, c'est gardien de mon frère. Et le Seigneur, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sang de ta. Vous comprenez cela? Bien aimé, le jugement de Dieu sera terrible. La bonne nouvelle de l'évangile est annoncée depuis près de 2000 ans maintenant. Le Seigneur s'apprête à venir et les hommes au lieu de l'impie, mais où est son avènement? Où est le jour où il y a venir? Nous croyons qu'il viendra. Amen. Nous croyons qu'il viendra. Amen. Nous sommes parvenus à la fin des temps, bien aimé. Le diable a régné près de 6000 ans. Où il a mis le chaos partout. Le Seigneur a accompli la rédemption parfaite par son corps. Amen. Bien aimé.
a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jean 14, verset 1. Il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous faire une place. Et je vais venir vous chercher. Jean 14, verset 1. Alléluia. On va le dire. Parce que bien aimé, avant de passer là-bas. Regardez ce que le malin a fait. Par Ève, il a pris sa semence dans le monde et la semence qui le ressemblait a tué Abel. Bien aimé, regardez-moi ça. Et Dieu a mis un signe sur Caïn. Pour que quiconque voit Caïn le touche, Caïn soit vengé 16 fois. Et on voit, on a vu, on en voit. Dans la parole de Dieu, il y a la postérité de Caïn. Et il y a la postérité de Seth. Parce que Abel était un auteur. Bien aimé, Abel était un fils de Dieu. Confronté à Adam, et Seth est venu. Dieu a donné Dieu à consoler le couple en lui accordant un autre enfant, un autre mâle, bien entendu, Seth. Alléluia. Donc il y a la postérité de Dieu, la postérité de Jésus, Abel n'est pas. Alléluia! Et aujourd'hui, je voudrais savoir que tout être humain n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créé de Dieu. Car les incrédules, ils ne croyaient pas. Il y a des fois, disons, chrétiens, ils ont dit chrétiens, mais ils obéissent. Ils ont dit tout le monde. Et il y a les véritables qui reçoivent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, en créant le Seigneur. Bien aimé. Dieu l'a abrégé les temps à cause de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le péché a atteint son apogée. Le péché est devenu monnaie courante. Donc, on a le livre de Jean. Alléluia. Nous allons passer par là. Par Jean 8 d'abord. Avant de prendre l'enfant Jean 10, Jean 10, verset 1. Jean chapitre 10, verset 1. On peut m'aider toujours. On va pouvoir le faire aujourd'hui. On est allé. Oui, frère. Chapitre 10, verset 1. Verset 1. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Oui, continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur a dit en vérité, c'est que fais serré. Car dans la loi dit que le témoin de Dieu voit est la vérité. Quand il dit en vérité, c'est que fais serré. Mais vous montrez au descendant ce qu'il a dit la fois par lui. Mais le Seigneur entend ma voix et elle me suit. D'abord, elle a dit que c'est la cause de la bergerie. Bien aimé, quand on rentre dans une maison, on ne va pas par la fenêtre, comme je l'ai dit. On passe par la porte pour entrer. Amen. Que le Seigneur est la porte de la bergerie. La porte de la vie éternelle. Bien aimé. Dieu n'a pas créé des religions. Amen. Dieu a donné sa parole que la vie en elle, nous vient la vie. Amen. Mais les hommes ont créé des religions. Et ils sont des dominations. Bien aimé, les églises organisées, c'est nous qui sont organisées. La parole de Dieu qui a été donnée, sachez que la parole de Dieu est scellée, elle est éprouvée, elle-même est éprouvée. Selon le livre de Proverbe 30, verset 5, cette parole est éprouvée. Et la Bible déclare de ne pas ajouter et de ne pas réfléchir. De peur que toi-même ne sois prouvé menteur. Alléluia! Dieu est l'auteur de ta propre parole. Et au ciel n'a pas dû te créer, il y a un seul. Bien aimé, le Père est sur la terre, il n'a pas instauré des chemins sur la terre, mais il a instauré un seul chemin. Amen. 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 Le Père m'a dit, je suis le chemin. Je suis le
la vérité. C'est pas la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Bien aimé, je te dis avec en fait, pour un sujet donné, il y a plusieurs mensonges et tout, et une seule vérité concernant le sujet. Alléluia. Je prends les hommes. Alléluia. Voilà le frère Thoury qui est là. Et non, c'est le frère Jean. Non, c'est le frère Paul. Non, c'est le frère X. Mais en réalité, ce qui concerne son nom, c'est le frère Thoury. Plusieurs mensonges autour du nom, mais une seule vérité. Amen. Et pour ça, pour chaque sujet donné, il y a plusieurs mensonges, une seule vérité. Donc aujourd'hui, les gens qui ont créé des religions de gauche à droite, le diable qui a créé cela, pour mettre la confusion. Mais la vérité, c'est que celui-là qui est venu et qui a déclaré que je suis la vie, et qui l'a prouvé, bien aimé, par ses actes, par ce qu'il a accompli sur la terre, c'est lui la vie. Amen. Il dit le mercenaire ne vient que pour voler et pour faire perdre. Parce que le mercenaire, il ne veut même pas faire des brebis. Mais lui, il donne sa vie. Et sa vie qu'il donne, il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. La voix de Dieu, c'est quoi? Non seulement la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Amen. La voix de Dieu, c'est le tonnerre. Amen. Mais la voix de Dieu, c'est sa parole. Amen. Celui-là qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu est prédestiné bien avant la fondation du monde. Et comme le Seigneur dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Depuis la création, depuis la Genèse, quand le Seigneur crée, il dit que, il a dit quoi, que chaque espèce d'arbre produit selon la semence. Amen. Mais toi, quoi, quelle semence en toi? Parce que la prison, hein, la semence qui est en toi là, elle fait sortir ça. Bien aimé, parce que c'est ce sujet là. Donc on a coïncidé avec ma prédication, Dieu soit loué. Bien aimé, on prend un bien aimé frère. Il est pas un bon ivoirien, un bon bété. Et puis on le prend, on le met chez les Chinois. Alléluia! Et il demande. Bien aimé, c'est une vérité, vous connaissez. En grandissant, la culture chinoise et la manière des Chinois va s'imprégner en lui. Quand il grandit, il travaille 16 ans, 20 ans, c'est chinois, il parle. Il a fait un bon bébé de sang et de chair. Il a bien mangé le riz au grain. Hein, du 1er janvier, quand il descend le riz au grain, il fait 3 ans, il est allé en Chine. Et la langue, c'est chinois, il parle. Quand il va revenir, aucun mot bébé. Pourtant, c'est un bon bébé. Puissant pour envoyer la loi. Bien aimé. Quand tu viens, tu écoutes Jésus-Christ. Si tu y prends goût, et que tu te disposes, et que la parole de Dieu prend pénètre jusqu'à. Vous savez, quand le menuisier veut enfoncer le cou, il enfonce jusqu'à ce que le cou disparaît. Tout la longueur du cou est disparaît dans le bois. Ça craint bien le bois, vous voyez, bien le bois. Quand la parole de l'Éternel a dit qu'il y a votre âme, alors quand vous grandissez, vous ne pouvez pas vous en étaler. Votre solution demande à ce qu'on élève nos enfants selon les conseils de la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, ils ne vont plus s'en étaler. Ça va être marqué et pour toujours. Alléluia. Mais prenez entendre ma voix et elle est fille. Elles ne seront point mercenaires, ni les pensées ne connaissent même pas la voix du mercenaire. C'est pas là qu'elles ont été élevées. Et elles étaient d'abord prédestinées bien avant que le monde soit créé. Alléluia! Dans le Seigneur lui-même, il connaît ses brebis.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ceux qui sont les mieux connaissent le Père. Je suis la promesse que dans cet âge-là, personne ne va dire à son frère, viens connaître le Seigneur. Il a promis cela à Israël, il nous l'a promis. Il dit, tous connaissent trop l'Éternel. Du Christ est dit au plus grand. Maintenant, quand tu as cru, tu as accepté Jésus dans ta vie. Bien-aimé, c'est important. Si tu veux faire semblant le Seigneur, c'est comme vous faites. Amen. Il est omniscient. Amen. Il fait tout. Amen. Omnipotent, il rend tout. Amen. Omniprésent. Amen. En même temps, il est partout à la fois. Amen. En même temps, tu l'adores ici. Quelqu'un nous l'adore aux États-Unis, toi l'adore en Chine, et ainsi de suite, et il est bon. Aucun être n'est comme ça, comme lui. Il n'est pas, il est sans pareil. Amen. Mais il est sans pareil. Il n'y a pas Dieu comme lui. Il est unique dans son genre. Amen. Et nous devons être heureux d'être des fils et des filles. Amen. Des élus, prédestinés. Bien-aimé, à qui a apporté sa grâce? Regardez quand Adam et Ève ont péché. Ils ont eux pris des feux de figuier pour se couvrir dans le côté. Qui leur a pris les ténèbres? Bien-aimé, c'est le diable. Et le Seigneur a tué l'agneau, il a pris la peau et il a déshabillé. Le diable fait plus le prophète que le faire. C'est vraiment une remarquée. Au moment où il voulait que Adam et Ève soient rendus, par le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas. Le diable vient, il crée la confusion, il fait à ce moment-là, il sache qu'ils sont nus. Maintenant, Dieu qui vient, maintenant il l'habille. Maintenant, le diable vient, maintenant il vient de l'habiller les gens. Amen. Dieu dit que la femme habille d'une manière intéressante avec pudeur. Alors, quand on est béni, les pantalons. On porte des vêtements extravagants, des défauts, et on se pardonne. Amen. On dit non, mais c'est ma liberté. Et c'est ta liberté de l'enfer. Fait. Ta liberté. Ce que tu fais là, ce que tu as reproché. Amen. Parce que le Seigneur, après le péché, il a dit que la femme de papier, tu m'as dit défaut à l'équipe. Amen. La belle femme doit être punie. Pas un petit, mais petit, et donc la moralité, bien aimé. Le christianisme a dépassé la moralité. C'est fondamental, c'est une question de vie fondamentale. Plus vrai, c'est important. Le Seigneur est en train de mettre un fils, fils de l'enfant. J'ai essayé de l'enfant. C'est qu'est-ce qu'il demande à toi? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est foutue. Amen. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Ils sont en train de faire des affaires. L'avenir des milliards, préparer l'avenir de l'enfant. Tu ne peux pas préparer l'avenir de l'enfant en dehors de la parole. Amen. C'est pas possible, c'est insensé. Cherchez premièrement le rôle de la justice. Amen. Et tout vous sera donné. C'est le Seigneur. Il a dit, la parole du sang de ma bouche, elle ne prend pas moi sans l'esprit. Il a dit, c'est ma fille. Elle est non seulement. Le pourquoi elle a été envoyée, elle doit s'accomplir. Amen. Prenez la parole de Dieu et asseyez-vous sur la parole de Dieu. Croyez en elle. Et elle a produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Croyez en elle. Mais ce n'est pas des déjeunements. Cherche d'abord le royaume des cieux. C'est le trésor caché, le bien le plus précieux. Bien aimé, là où est ton trésor là, là où c'est ton. Mais si tu ne cherches pas le Seigneur, pourquoi le Seigneur a dit que cela ne croit pas sa croix et le film, mais pas dit tous les jours. Tant que tu es dans ce corps là, tu vas pas les deux. Amen.
Amen. Quand tu es chrétien, tu auras des épreuves. Tu veux que les épreuves viennent forger ta foi. Amen. S'il n'y a pas d'épreuves, c'est comment? Ne pas trahir. Vous cherchez toujours le bien-être sur les plages, entre les femmes, de ceci, de machin. Amen. Tu veux que ça, c'est ton paradis, les gars. Parce que le diable t'a enlevé. La Bible dit, si votre manière est voilée, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Amen. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a venu l'intelligence spirituelle. Bien aimé. Pourquoi dans ce Dieu, 900 ans, 800 ans, 700 ans, Dieu a venu les jours de l'homme à 120 ans. Quand on ne peut pas faire. Quand on arrive difficilement à atteindre. À cause du péché. Ça cause de l'incrédulité à la parole de Dieu. Ça cause de l'insoumission. Quand je dis, mais l'homme, c'est devenu notre sorte chair. Mon esprit ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, Dieu t'a racheté par ton sang. Tu le crois, tu es passé dans la vie. Sans jugement. Parce que pour les élus, bien-aimé, le jugement de Dieu commence à la maison de Dieu. Tu prends la parole de Dieu à corps le bras. Avec tout ton âme, et mets ta vie en règle selon les préceptes, les commandements de Dieu. Amen. Ne cherche pas à cliché. Tu vas pas, quand ça t'arrange, tu sois le père de l'écriture, tu fais ce que tu veux, tu fais. Là, il y a des fous qui sont fous la journée, et puis la nuit, c'est des couleurs. La journée, ils vont fous. C'est la nuit où tous les chats sont gris, c'est eux qui vont agresser les gens. Il n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas hypocrite. Amen. Tu acceptes Christ, aime-le. Amen. Donne tout pour la parole. Amen. Combat la foi qui t'a été transmise par le Saint-Esprit une bonne fois pour tout. Bien-aimé, aie une vie digne. Parce que le Seigneur ne va pas t'oublier. Même un petit enfant comme ça dans le monde est important. Amen. Oui. Les fils de Dieu sont victorieux parce que tout a été accompli à la croix. Alléluia. C'est vrai, frère. On attend sa venue. Amen. On est de sa semence. Amen. On est à sa ressemblance. Amen. Bien aimé. Nous allons marcher avec la crainte de Dieu. De même pas. Où n'est pas venu là? Le salut est plus proche de nous. Que lorsqu'on a cru avant là. Bien, Dieu nous a aimé le premier. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous aimer? Qu'est-ce qu'on va séparer de lui? Bien aimé. Sachez que, bien aimé, qu'aucun être humain ne peut convaincre son frère. Amen. C'est ça encore le mystère. Amen. Les gars croient qu'avec l'intellectualisme, ils vont comprendre la parole de Dieu. Parce que la lettre tue, mais l'esprit du Messie. Amen. Non, monsieur, si on pouvait convaincre, moi je ne commençais pas à convaincre les paroles. Quel est le plan comme ça qui est mettre la parole, prendre la parole, mettre la lettre, mettre la lettre. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, le Saint-Esprit, c'est miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Amen. Oui, c'est ça. Si ça va pour les gens qui sont heureux, ils disent qu'ils meurent. Bon, vraiment. Je ne peux pas me permettre de prier pour le acte. Quand il est dit qu'il y a de la langue de mourir, c'est une fois. Puis il vient le jugement. Je ne peux pas prier pour eux. Seigneur, pardon, c'est mon père. Vraiment, c'est pas lui que je suis passé. Et puis je prends des versets que je ne garde même pas. Tu as dit que je me suis mis à eux. Et je lui ai une longue vie. Ça quoi, ouais, ça quoi. Et les gens mélangent toute la parole de Dieu. Ceux qui prêchent, qui n'ont pas été appelés, ceux qui prêchent, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent même pas parvenir dans l'église. À la connaissance de la vérité. Pas prier pour les morts. On peut prier pour les parents du mort. Pour qu'ils se convertissent. Mais tant même que mon père était venu. Et moi, que les deux vous pleurez. Et puis, priez pour les autres. Que Dieu leur fasse grâce. Pour qu'ils se
prends les dix. Bien-aimé, la bonne nouvelle est, allez partout au monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé, l'esprit d'une promesse sera sauvé. Mais si tu as cru, la croyance est suivie d'obéissance. Et pour le croyant, l'obéissance est tout. Bien-aimé. Si tu n'obéis pas, pourquoi l'aimer? Car Dieu ne fait à ses yeux de personne. Quel fils de Dieu, on va te reconnaître par son fruit. Parce que le manguier produit la main. Le voyager, la voyage. Mais tu as fait que tu as l'esprit de Dieu en toi, que tu es enfant de Dieu, parce que lui déclare que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, est-ce que tu penses que l'esprit de Dieu va te conduire? Tu es prostitué dans la nuit? Non. L'esprit de Dieu va te permettre d'avoir une vie exemplaire. Oui, monsieur, parce que la parole va te tailler, ça va te tailler, ça va te nettoyer. Bien entendu, si tu laisses tailler, amen. Que Dieu ne veut pas, quelqu'un nous dit que c'est Jésus lui-même qui a suscité en nous la foi. Amen. Tu réduis ton cou comme Israël a eu autrefois. Amen. Tu réduis ton cou. C'est quelqu'un que Dieu n'a dit jamais aimé. C'est pas toi qui as échangé. Amen. On te parle de tout pas. On te parle de tout pas. On te parle de tout pas. Bien-aimé, ta parole est là. Près de toi, dans ta bouche. Ah, c'est du top pour toi. Il y a un grand homme avec l'attention de toi. Amen. Pour justement dire, tout de suite, elle a accepté la parole. Bien-aimé, on se souvient plus que là. C'est merveilleux. C'est merveilleux, frère. Vous croyez que les conditions que Dieu a données à la femme, parce que Dieu dit que la femme devra prêcher, de dit non, non, non. Mais c'est la parole de Dieu. Dans la Genèse, Dieu a dit sa parole. Je mettrai une iniquité entre toi et ta semence. La Dieu aussi, c'est quoi? Mais il y a la femme. J'augmenterai la douleur de tes grossesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il va augmenter, qu'il va augmenter. Quand même que ça fait mal, il va augmenter. Je dis que tes regards se porteront sur ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Maintenant, si tes regards sont tournés sur ton mari, tu viens de lui sur toi, tu as besoin de la compassion. Tu as besoin de la compassion de ton mari. Bon, tu es qui tu es qui lui. Je ne sais pas pour lui, il y a plein de meurtres. Comme on a fait avec ton mari, elle va le dire toi. Et on a fait de ce fait-là une brigade. Comme ça. Bien aimé, l'esprit qui a moins pour le qui va fonder. Donc c'est l'esprit. Si ma femme est ici, ou quand je suis fondé, ça concrétise la parole de Dieu. C'est pas possible qu'une femme soit pasteur, prédicatrice, mais c'est Jésus. Pour qui elle puisse être diaconesse? On n'a jamais eu une femme dans cette Testament qui était à la sanctature. Qui restait à la sanctature. Non, jamais, il n'y a pas. Il n'y a pas de femme sanctateur. Au lieu de la sanctateur, le Christ, c'est toi, c'est toi, la parole. Pour qu'elle puisse être diaconesse. La Bible dit qu'il faut te saigner. Amen. La Bible dit, ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. Qu'elle soit seule. Qu'elle a connu ce mari de sa vie. Si elle n'a connu Dieu, elle n'est pas dit. Si elle a 59 ans, n'est pas dit. Dieu n'a pas donné ces conditions-là pour qu'il veut. Mais pour qu'il veut, tu veux être diaconesse. Ce n'est pas les conditions pour qu'il veut qu'on doit aider. Non, si on doit aider, pourquoi il te parle de ça? Ça n'a pas de sens. Bien-aimé, frère, bon, tu as 59 ans, hein? La vie 60 ans, je vais t'aider. Tu as fait des détruits. Pas de grave. Ça n'a pas de sens. On est dans l'âge, il va nous partager. Ces conditions-là sont les conditions pour qu'elles puissent être
diabolaise qui est la réponse. C'est la femme qui est remplie et c'est diabolaise. C'est une diabolaise, mais bonjour tout le monde. Et puis c'est la vie qui est rachée. Elle la mère de tous les vivants, par le caractère où on meurt, on souffre. Mais allez, quand un qui a dit se met des bombes, des bombes, des bombes, et puis il va se faire éclater, boum, la cause des c'est le prophète qui a dit, pas moi. Alléluia. Le prophète l'a dit. Moi, il devait se dire, si vous n'êtes pas d'accord, alors il demande d'être prié pour ça. Alléluia. Si on veut dire quelque part, où il y a des morts, des morts. À cause de qui? C'est la femme. C'est le prophète qui l'a dit. Alléluia. Et on va faire. On verra en disant que ces femmes évangélistes, ces femmes pasteurs. Puis on est dans l'école de Pierre, il y a 9 dons, une femme à place. Le don. Le don de prophétiser. Comme les tafis de qui? De Philippe. Alléluia. Vierge. Elle a le don de prophétie. Une femme de parler à l'homme. Même avoir le don d'interprétation. Les noms. Bien aimé. Regardez un fait encore qui écarte les gens, mais les femmes de qui sont mêlés à qui? À Israël. Donc, comment dit pas le nom? Ils ont tort. Et la Bible dit, l'homme est frère comme tous, et la mère de tous racontée. Comme des gens souvent. Mais les femmes de donc, c'est dans les milieux de Dieu, dans les milieux de Dieu, dans les milieux de Dieu. Alléluia! On va continuer. On va continuer. Bien évidemment, on va prendre dans les Jean 14. On va aller dans l'évangile, près de la main, dans 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 la main, moi, je vais laisser 4 ans, 10 cas. Je vais sauver le coup. Je suis 4, vas-y. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres vies, elle marche devant elle et elle peut venir me suivre. Amen. Mais pourquoi il marche devant elle? Un enfant nous est né, un fils de l'un enfant de Dieu. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, conseiller. Pourquoi il marche devant elle? Parce qu'elle est le conseiller. Dieu ne veut pas faire. Je serai avec vous et même en vous. Pourquoi nous comprenons que nous conduirons dans toute la vérité? Le Seigneur va dire, bon, nous, on est des petits. D'ailleurs, nous sommes sans bébés. Ça va faire un berger. Le mouton va faire un berger, il va sur la route, il va sur la route, le boulot, il vient de l'autre côté de freiner. Et puis il a pris là. Tu prends son pom pom pom, il est là. Là, toi, descends, tu vas les chasser. Quitte là. Tout le monde est carré. Tu vas voir la chose. Amen. Bien aimé, nous sommes créés pour nous soumettre à la parole. Amen. Oui, frère. Un frère qui est un fils de Dieu va accélérer, c'est balayé un problème. Un jour, deux jours, j'en suis. Deux jours, trois jours, quatre jours, dix semaines, j'en suis. La Bible dit, si tu es en colère, que le soleil se couche. Arrête là. Donc, c'est quoi ta affaire là? C'est ce que tu as fait la faute que tu as commis, pour lequel le Seigneur t'a arraché par son sang. Tu vas être discuté, pardonner. Tu es rendu ton cœur profit. On te lève ballon en cuir. Bah, en tout cas, c'est complet, là, c'est complet. Vous dérangez vos têtes. Bien aimé, nous devons être humbles. Amen. Nous devons être humbles à la réforme du Seigneur. Il vient de vous. Vas-y.
Et moi, devant elle, il est venu le suivre parce qu'elle connaît sa voix. Donc c'est ça. Elle ne suivait point l'étranger, mais elle fuyait loin de lui parce qu'elle ne connaît pas la voix des étrangers. Oui, merci. Jésus lui dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il lui parlait. Jésus lui dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Bien aimé, la porte des brebis, c'est le Seigneur. Il y avait des brebis. On en prend dans l'île de Romain. C'est un pierre, un pierre, un pierre, un pierre. Si vous êtes bien vu, on va gagner le temps. On ne voit pas le temps passer. Il y a beau avoir le temps passe. Le temps ne m'attend pas. Le temps passe. Alléluia! Un pierre, un verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est pourquoi saignez vos reins. Bien-aimé, le Seigneur est à la porte. Comment allons-nous nous comporter pour le Seigneur est la Bible dit qu'on peut être connaît, Dieu est plus grand. Alléluia. Alléluia. L'on prend dans le Romain. Romain 8, 28. Donc on le voit un pied. Ne vous conformez pas au convoitisme que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oui. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Oui. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Amen. Dieu est saint. La Bible dans toute notre conduite, en parole, en acte, en pensée. Dans tout ce qui nous concerne, nous devons être saints. Amen. Mais ne laisse pas des pensées impures. Vous voyez, il y a rien dedans. Que nous ayons les pensées de Christ. Amen. C'est pas la pensée de Christ. Ah, pardon. Tu ne peux pas en Romain 8. Bien avant Romain 8, c'est la parole. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car celui qui l'a conduit d'avance, il est là aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de vous les frères. Et ce qu'il a prédestiné, il l'a aussi appelé. Et ce qu'il a appelé, il l'a aussi justifié. Et ce qu'il a justifié, il l'a aussi glorifié. Bien aimé, le chrétien, Dieu lui a fait grâce. Amen. Dieu lui-même lui a confectionné une robe qui porte. Quand on prend l'Apocalypse 7, Amen, après 19, 7, la Bible déclare que les lois de la Dieu sont venues et sont les pauvres de Paris. Et lui a été donné ce revêtir de fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres de Dieu, ce sont nos œuvres. La parole de Dieu nous prenons à vivre au quotidien de notre vie. Car il y a l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. C'est pas pareil. Alléluia. Moi, je l'ai rendu, je ne vais pas parler dans un Jean.
Mais j'en vois que tu as des avec lui, mais avant. Ça après un jugement que le Seigneur a été là-bas. Le diable est dans la tête. Qui pourrait
Mets au lit, papa le Seigneur, où il va, dans la vie. Gloire à toi, voilà. Alléluia. Alors, on va terminer par là. Quiconque, après le 9, quiconque aide les dieux ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bien-aimé, tu as la parole en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi, parce que l'Esprit de Dieu vient vous sceller la parole de Dieu qui est en toi. Alors, si tu as la parole de Dieu en toi, la parole elle-même qui est interdite, le Seigneur lui-même va t'empêcher d'aller pécher. Si tu as la clé de Dieu, allez tomber ta femme, allez faire des bêtises, faire tout cela. Mais le Saint-Esprit va te maintenir dans la parole. Et voilà pourquoi dans l'évangile, il a dit sa parole, que si Satan va chasser Satan, ton rang sera utilisé. Mais tu ne vas pas avoir l'esprit de Dieu en toi, et puis l'esprit va te conduire à aller contre Dieu. Non. C'est un non-sens. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit là, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Caïn était du malin, comme aussi Judas l'Iscariote aussi était du malin. Vous voyez, un malin apôtre. Judas est apôtre, mais cela ne va pas payer du malin. Bien aimé, que Dieu est de nous. Paul dit, il ne faudrait pas qu'après avoir combattu, il soit rejeté. Vous savez comment est-ce qu'on est pour le Seigneur? Le Seigneur, il est catégorique. Tu es certain de Dieu, tu n'es pas qualifié d'avance. Tu dois combattre pour ta vie. Jusqu'à ce que le Seigneur t'agrée. Tu dois non seulement combattre, perdre tout pot, être exemplaire en tout, être jugé d'un voleur. Bien aimé, ta justice doit s'y passer celle des scribes et des scribes des pharisiens. Ça, c'est tout le monde. Dieu te fait de pour être. Il ne peut pas avoir dans ta vie de la feu près de l'état d'esprit. Vous savez que le terme se cache dans les points lugubres, dans la feu près, dans les points ténébreux, c'est là que le diable se cache. Et d'abord, lui, tout parce que c'est une affaire ténébreuse. Le diable va vous avoir. Bien aimé, soyez sincère et concret. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Rappelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vraiment nous soutient dans le combat et dans la foi. Nous savons que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu rentre en moi avec l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, vous le savez et Dieu le sait. Amen. Que Dieu vous bénisse.